vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une mission cachée. Donc, c'est parti. On y va de suite. Alors, pour ce défi caché, il faudra aller sur C1 en premier. Donc, on va aller dessus. On va aller tout de suite ensemble là-bas. C'est parti. Alors, pour la première partie, pardon, du défi caché, donc faudra aller au phare. On s'approche du phare. Et vous voyez juste ici, juste à côté du phare, donc juste ici, il faudra casser, donc voilà, et vous allez avoir donc un monument. Un monument qui va se mettre. Donc il faudra maintenant aller sur C2, donc juste ici, pour le deuxième monument. Donc on se retrouve tout de suite là-bas. Donc pour le deuxième monument, il faudra juste donc aller sur la pointe ici de la petite colline. Donc, vous voyez, hop, il y en a un aussi là-bas. Donc ici, comme je vous dis, faut casser. Et donc, encore une fois, vous allez avoir une sculpture. Et la troisième sculpture se trouve, si je ne dis pas de bêtises, sur A2. Donc juste ici. Donc on va aller ensemble. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, on prend un vortex. Enfin, le vortex. On arrive ici. Ici, mais évidemment, il faudra monter un petit peu. Alors, hop. Et vous voyez, ça se trouve donc derrière la grotte statue là de Pâques. Et hop, la même chose. Hop là. Et voilà. L'énigme du sphinx. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, pardon, vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et si ce n'est pas encore fait aussi, activer la petite cloche de notification, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Gros bisous à tous!